bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live sur Cat Quest 3. On est en coop pour cette découverte avec Chobiti. Salut Chobiti. Salut le Sing, salut tout le monde. Du coup, on avait déjà fait une preview, enfin t'avais déjà fait une preview, découverte en preview du jeu il y a quelques temps. Oui, c'est le même départ au final que là, donc on s'est dit qu'on allait la montrer en coop plutôt, puisqu'on peut jouer à plusieurs sur le jeu. Je vais rafficher un petit peu la fiche, hein, donc qu'est-ce que c'est que le jeu Chobiti, si tu veux nous rappeler rapidement. C'est un super jeu avec des chats, et on est des pirates. C'est un petit, c'est un peu un RPG d'aventure. Il est disponible au prix de 19,99€, je crois, avec une promotion de lancement. Il est édité par les mêmes que Cat Quest 1 et Cat Quest 2, hein, bien évidemment, c'est la même patte. Et nous, on remercie Games Planet pour la clé du jeu. Et si vous voulez profiter d'une réduction un peu plus importante, c'est 10% sur Steam et chez notre partenaire, c'est 15% avec Games Planet. On les remercie du coup une nouvelle fois pour nous permettre à la fois de tester et de vous proposer des prix franchement pas inintéressants. Ah, donc le jeu est jouable en solo, hein, et il est équilibré pour du solo aussi, ou en coop. Au choix. Et cette fois on commence avec en étant pirate avec un bateau. Alors, et il est quand même assez différent des deux précédents opus, dans le sens où vous avez des quêtes, certes, mais en fait vous pouvez aussi très bien choisir de ne pas les suivre et de rester dans le monde ouvert qui est complètement libre et ouvert. Et alors l'histoire principale, si tu veux nous résumer ça, parce que je sais que c'est un rapport avec la tour infinie où on est là, mais... Alors, un petit peu avec la tour infinie, l'idée c'est que nous, on est un quêteur. On est a priori le seul quêteur restant au monde. Et on est accompagné de la petite boule de lumière, comme d'habitude. Hein. Et on a pour but de chercher le trésor de l'étoile polaire. Alors on sait que notre petite boule de lumière, dont le nom m'échappe tout de suite maintenant, nous cache des choses. Mais effectivement, nous cache ses motivations réelles sur le trésor de l'étoile polaire, parce qu'en fait c'est un mythe, donc la plupart des gens pensent que c'est juste un mythe. Et elle nous pousse à aller affronter le roi des pirates pour trouver le trésor avant elle. Donc on sait pas pourquoi, nous c'est plus ou moins parce que on est le dernier quêteur et que le trésor de l'étoile polaire, c'est le trésor des quêteurs, donc on a une bonne raison d'aller chercher le trésor. Mais notre compagnon, on ne sait pas trop. Et effectivement, cette tour de la pirate. Ouais, et cette tour de l'infini, effectivement, elle a été construite par les quêteurs. Et du coup, on sait qu'il y a un autre trésor, enfin, qui n'est pas le trésor de l'étoile polaire, mais qui est un trésor... Quelque chose tout en haut. Voilà. Écoute, je te propose qu'on se lance. On embarque dans le bateau. Allez, je te laisse diriger le bateau, moi je suis au canon. Ouais, je veux aller là. On va te tuer, c'est méchant. Mais tu sais qu'il est beaucoup plus fort que nous, sachant. Oh. Tu veux qu'on réessaye de le tuer? Non. Ah, je suis pas fan de l'idée. Hein. On s'enfuit. On est sur une zone un petit peu trop élevée là. On s'enfuit. Voilà, c'est bien là. Je sais pas où c'est, mais c'est bien. Bah écoute, on va essayer de... Mais la pièce elle s'est barrée. Scandale. T'as trouvé une pièce qui se barre. Ah c'est cool ça. Ah bon. C'est cool. C'est un trésor. Remonte. Elle va où? Elle est partie un peu plus au sud. Un peu plus au sud. C'est où le sud? Faut la suivre ou faut l'attraper? Faut la suivre. Il y a des feuilles par terre. Hein. Ouais. Il va falloir un peu plus de précision entre les mines là. Ah mais c'est les mines, elles sont méchantes. Bien joué. Ah, on va récupérer notre bateau.
Heureusement, on a des bouées, hein. T'imagines si on en avait pas? On va pas récupérer notre bateau, là. Oh. Les d'or. Pour la tour d'or. Une autre clé d'or. Une autre, parce qu'on en a plusieurs en plus. Bah oui, c'est... j'en ai déjà eu une de pièces qui s'enfuit comme ça. Et voilà, notre bateau il est tout neuf. Ouais, et nous on est un peu mi-life par contre. Alors, ils sont où? Il est où le chat pêcheur avec sa fille là? Ah, il y a un truc pour se soigner. Le perroquet, il soigne. Il soigne que toi, l'arnaque. Il soigne que moi, ouais. Le chat pêcheur, il est là. C'est marqué. Prise de chat pêcheur. Nya, si tu crois que je vais te remercier, tu peux te gratter. Alors lâche-moi, tu veux? T'as déjà fait des trucs avec lui? J'ai déjà dû tuer les bateaux, je pense. Vous devez vous me rappeler quelqu'un que j'ai connu dans le temps. Bon, voici ce qu'on va faire. Si vous me donnez un coup de patte, vous aurez droit à mon trésor personnel. Vous voyez ce poisson-chat là-bas? Il faudrait que vous l'attrapiez. Il suffit de conduire le poisson-chat de ce côté. Jusqu'au filet. Ok. Vous suivez ou ça devient trop un télo pour des pirates? Allez, mouchaillon, on va lui clouer le museau. Poisson. Alors, t'as tout compris, effectivement. Poisson. Lance-le. Par là, remonte. Remonte. Youhou. Vous avez pris un poisson très répandu dans le Charybe. On a eu un trésor. Pas mal. Vous pouvez prendre ce coffre en récompense. Et on reparle de ce trésor personnel, le grincheux. Vous avez attrapé un pauvre poisson et vous pensez que ça mérite un trésor. Je pense que ça mérite un trésor parce que tu nous as dit que tu nous donnais un trésor. Ça ne marche pas comme ça. D'abord, vous allez devoir attraper tous les poissons-chats légendaires. Tous. On les appelait les quatre panthères des mers. Mon fils rêvait de tous les attraper. Faites chat pour moi et mon trésor pourrait vous revenir. Quoi, il nous suffit d'explorer les Charybes pour attraper les quatre panthères des mers? Comme si ton trésor était entre nos mains, papy. Ouais, je m'avancerai peut-être pas quand même, mais... Les panthères des mers! Ah oh, ouais! 15% de dégâts aux ennemis dans l'eau. Okay. Alors je sais pas du tout ce que t'as comme quête ou ce qu'il faut faire, il y a un truc qui nous dit d'aller par là-bas. Oui, ça c'est la quête principale qui dit le trésor de l'étoile polaire. Attends, tu veux que je te montre les quêtes? Les quêtes. Attends, pourquoi je peux pas... Je vais bouger, voilà. Oui, mais justement, c'est pas ce que je veux, c'est... C'est aller voir les quêtes. On a les objets de quête. Je peux équiper un objet de quête, moi. Non. Ok, oui, j'avoue. Bizarre. Options, navire, magie, carte. L'équipement, c'est vraiment l'équipement. Bah ouais, c'est la carte, c'est des trucs en bleu, non? Oui, bah du coup, c'est que les choses... Les choses en bleu ou les choses en rouge. C'est marqué sur la tour de l'infini, c'était marqué l'étoile polaire est enfermée là. Ah non, un indice sur l'étoile polaire. Okay. Bah écoute, je te suis. Oh. Est-ce que tu as trouvé le trésor? Là, il y a une tour là. Tu veux qu'on fasse la tour? Oui, on peut faire la tour. Ah ah, il y a deux méchants. Est-ce qu'on peut passer? Je veux rien, moi, je découvre.
Tu veux rien, tu veux rien. T'es un chaventurier ou t'es pas un chaventurier? Oula, ils ont la race de PV, les enfoirés. Hein. Ah, mes PV. Mes PV. Ah ouais. On n'a pas le niveau là. Bon bah on va pas faire ça alors. Ah c'est le problème du monde ouvert ça. Est-ce que c'est notre quête quand même activée du coup? Oui, il n'y a plus de chat donc ça va être bon. Ah non, il nous parle encore. Non, c'est bon. Il n'y a pas besoin de refaire, c'est juste ça. Bon, du coup, eux, c'est pas la peine. Il y a des tonneaux là qu'on n'a pas cassés. Très prometteur. Il y a la tour de l'infini là-bas, mais on sait qu'on ne peut rien y faire. Alors le trésor à trouver, il est par là-bas. Ah ouais, il y a vraiment les tours qui te disent partout là, c'est là-bas quoi. Il y avait lui là, il nous avait emmerdé la première fois. Là. Vous êtes tenu de la tour de l'infini, est-ce que je vois? Mon papy m'a toujours dit qu'une partie de l'étoile polaire était dans cette tour, mais bon, on n'en sait rien. Bon, vous savez, quand mon papy était encore de ce monde, il me racontait toutes ses chasses au trésor. Mais à l'époque, j'étais beaucoup trop pétochat pour l'accompagner. Et puis quand je vous ai vu à la chasse au trésor, ça m'a rappelé mon grand-père. Merci. Un cadeau ! Ah bah quand même. Il a voulu que vous trouviez ce trésor. Un trésor, c'est pas de l'or ou des bijoux, c'est ce que ton cœur désire vraiment. C'est ce que mon papy disait toujours. Ton papy avait la tête sur les épaules. Et comment? Il n'a jamais cessé de poursuivre ses rêves. Tu voudrais bien faire la voix du petit truc fantôme, s'il te plaît? Bah si, je vois bien. Peut-être qu'un jour, je quitterai cette tour de guet pour partir aussi à la chasse au trésor. Ça plairait bien, puis j'en suis sûr. Enfin bref. Bonne chance à vous deux, j'espère que les eaux des charmes vous seront clémentes. Ah ah, est-ce que c'est encore un truc de merde? Oh. Homme de chevalier! Ah bah voilà, je peux pouvoir mettre ça. En plus, on a eu un niveau. Alors, comment on change l'équipement? Du coup, là, j'ai la cagoule qui me fait plus 2 de dégâts, mais je peux mettre un peu de défense. Je passe de 0 à 11 de défense. Et ben voilà, je vais pouvoir tanker, toi qui tires au pistolet et moi qui tanque. Et du coup, je vais prendre ça pour faire un peu quand même de dégâts. T'as débloqué le deuxième emplacement d'objet. Je peux bouger, ok, vas-y. Ah oui, on est passé level 10, donc on peut mettre un deuxième accessoire, ouais, c'est vrai. Bah vas-y, équipe-le, hein. Il n'y a qu'un seul de vraiment équipable. Bah non, celui-là, je l'ai déjà. Tu vois bien qu'il est P2. Mmh. Eh, j'ai le droit d'avoir un peu d'équipement quand même. En plus, c'est pour du corps à corps, toi tu fais de la distance. Oui. Y'a un cochon! Dégâts physiques aux ennemis quand vous passez à travers avec une esquive. Ben ça va, parfait, je vais pouvoir esquiver mon deuxième objet alors. Alors, accessoire. Voilà. Je constante le gros. On peut essayer. Il y a une prime sur sa tête. Ça va vite.
grosses fesses. J'ai plus de balles, j'ai plus de magie. Ah! Il m'a pétiné. Je rappelle que tu gagnes du mana quand t'attaques, donc. Oui, je sais, mais j'avais plus de balles. Hey, ça me remonte un petit peu la vie si t'arrives à rester dans ma zone, quoi. Mais si tu t'en vas, ça descend. Par contre, tu me ressuscites parce que je suis pas sûr que t'arrives à gérer tout seul. Hein. Oui, mais il veut pas s'enfuir, ce cochon. Allez, presque. Ah non. Tant pis. Nulle honte à fuir un moustache rabattu. Ça aussi, c'est un vieux truc de pirate. Ah, du coup, on va apparaître à l'autre bout du monde, là. Ah non, on va apparaître au plus près. Ah, au plus près. Attention ! Je pensais qu'il fallait qu'on l'ait activé pour que... On a monté ta défense de sanglier. Oui, parce qu'on, en fait, quand tu lootes une deuxième du même type, ça augmente celle que t'as. Ah bah cool. Bon, je suis pas sûr qu'on puisse se faire le cochon encore. On est un peu faible là. C'est quoi ce bordel là? Il y a un coffre par là. Oui, j'ai vu, c'est pour ça que je vais par là. Il y a une rune. Vous lisez l'inscription. Vas-y. Suivez la plage. Une étoile, deux étoiles, trois étoiles, quatre étoiles, cinq étoiles. C'est à quatre étoiles et demi que j'ai caché mon trésor. Suivre la plage. Il y a des traces de patch en plus. Une étoile, deux étoiles... 3 étoiles, 4 étoiles et demi, ce sera là du coup? Bah non, c'est à 3 étoiles là. Ah, ça compte pour une? Ah oui, ouais. Non, ok, c'est marqué 4, j'ai pas vu. Donc ce serait là du coup. Là où il y a un petit caillou. Trouvez quelque chose enfoui dans le sable. Un pichet de lait! On va pouvoir la ramener à Mama Milcha! Un pichet de lait! Si on rapporte chat, on aura peut-être droit à une récompense. Ok. Ouais. Ah, les petits ratons, on peut peut-être se les faire, là. Salut l'astre, hein. Bienvenue sur le live. Comment va tout? Je vais me soigner. On fait le donjon? Oui, je vais me soigner. Comment vont les petits chatons? Eh bah écoute, on va plutôt bien. On galère un peu sur le début là. Faut se mentir. Surtout moi j'ai un équipement un peu pourrave, j'ai l'impression. Et ça va monter! Oui, ça va monter. On dirait qu'une bande de pirates est retranchée ici! Alors, c'est qu'il y a un trésor! Ça, c'est de la. C'est de la divination. Alors. Tu les emmènes super loin! Est-ce que je galère comme sur USC? C'est pas tout à fait la même galère. On va peut-être pas aller jusque là. Et du fromage. Fromage? Ah oui. Droite ou gauche? Bon, je sais pas, là, au centre. Ah, c'est fermiche. Ratiche. Et ratiche comme les ratiches. Tenez, vous êtes qui vous deux?
C'est le roi pirate qui vous envoie, je parie. S'il croit qu'on va lui payer son tribut, il peut toujours courir. On a pillé le trésor bien comme il faut, il est à nous. Mais non, c'est pas le roi pirate qui nous envoie. Mais j'ai bien entendu, vous avez dit trésor. C'est ça qui vous intéresse, hein? Bah, ouais. C'est comme ça, le rat déchante. Les gars! Super gros! Un petit peu dans le mal. Je suis mi-life. Je sais pas toi. Ah oui, si je vois ta barre à droite, effectivement, elle est un petit peu plus basse que la mienne. La connexion de vacances ne te permet pas de suivre un livre Twitch. Ah mince, désolé Alastre. Bah écoute, merci d'être passé et bonnes vacances. Il y a une bobillette. Youhou. Allons manger le trésor. Oh non, ah. Les balais brosses. Le roi pirate vous remercie d'avoir balayé cette perfide racaille. Balais. On n'a pas fait chat pour lui. Récompense, vous pouvez même avoir ce trésor. Quihihihihi. Vu ce qu'il contient, on s'emballe et... balais. Au fait, le patron vous attendra au trésor de l'étoile polaire. On n'est qu'à suivre les guides stellaires. Oui. Le roi pirate veut aussi qu'on trouve le trésor de l'étoile polaire. Une mitrailleuse. Miaou, trailleuse. Tu peux la prendre si tu veux. Bah non, tu te plains que t'as d'équipement tout moisi. Oui, mais moi je fais de l'équipement au corps à corps, moi. Je fais du corps à corps. Ah oui, en plus elle est level 3. Après, je pourrais peut-être moi prendre ton ancien pistolet. Ah, ça a pas retenu ta dent. Ah oui, il me l'a déséquipé, tiens. C'est con ça. Ah, c'est pour ça que je faisais pas de dégâts physiques aux ennemis. Et du coup, là j'ai le pistolet level 1 et j'ai une charcobuse. Elle fait un peu plus de dégâts, on va prendre ça. Ah, mais non, mais c'est parce que je fais escape. Donc ça d'équipe. Non, c'est bon. Pourquoi il me dit que j'ai rien là? Non, c'est la preview, faut regarder ton bonhomme. Ouais, c'est juste la preview, d'accord. Et du coup là, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Ok, on est arrivé. Bon, on est un petit peu plus fort. Ça m'a l'air d'être un club là. C'est Metallica. Concert de Metallica. Putain, c'est quoi? Ils nous attaquent! Ils nous attaquent! Nous, ils nous disent bienvenue. S'ils nous disent bienvenue, c'est qu'on peut y aller.
Le concert de Metallica. Vous avez un billet? Hein? Quel billet? Vous n'avez pas de billet au concert de Metallica? Fichez le camp d'ici. Mais y a que Capitaine Metallica pour distribuer ses billets de concert. Quelle tristesse. Ah oui, je peux même pas avancer. Bon bah, on retourne affronter le machin qui nous balance des boules électriques là. Quelque chose me dit qu'on n'a pas le niveau. Bah surtout si on n'a pas notre bateau. Le Metallima, d'accord, très bien. 127 de dégâts, mais excusez-moi. Je veux mon bateau. Oui, je joue l'agro moi. Oh la grosse baboule. Elle m'a défoncé. J'arriverai jamais à voir le Metallima. Bah il est niveau 40 le machin, donc oui je pense que c'est mort. Hein. Tu peux ramasser l'XP puis tu te casses. Ouf. Ah, la violence du machin quoi. Oh purée. Ah reviens là en plus. Cette fois, je vais pas l'aggro, je vais voir si je pouvais lui parler, mais... Barrons-nous, par là-bas. Il y a des petites souris. On peut peut-être tuer les petites souris. Ah, il y a des gens en haut de notre tour, là. Vous voulez vous faire un peu d'or? Bah ouais. Salut les pirates, vous cherchez à vous alourdir un peu les poches? Tu nous invites à te détrousser? Non, non, je suis comme qui dirait un chercheur. J'ai besoin d'aide pour capturer diverses créatures. Si vous pouvez y amener un rat pirate potelé et l'y garder le temps qu'il faut, je vous laisserai une partie de mon or. Ouais, le rat pirate potelé, c'est le gros tal, hein. Oui. Allez, viens me charger. Allez, on tue les petits couicouis. Non, pas celui-là. Les couicouis. On a réussi. Les souris, on en fait tout un plat. Alors que franchement... Pour l'animal suivant, gardez votre sang-froid. C'est un sanglier. Bon, ça va, c'est payant. Quoi. On est monté un niveau... Faut trouver un sanglier maintenant. Comment ? Ça nous donne rien de plus les niveaux, y a pas de compétences à dépenser. Non. D'accord. Ça c'est pas un sanglier. Ça marche pas mon truc qui fait des dégâts là. Ah si un peu. Ouais. C'est histoire de dire que je fais des dégâts. Quoi. Bonjour, on cherche un sanglier. C'est quand qu'ils sont rechargés mes balles là? Merci. Un coffre. Chemise de Bouchanier level 5. Ouh, 70 XP. Attends, je peux. On l'a pas ce truc là d'équiper? Bah, je vais prendre ça, 60 PV, c'est carrément mieux que le petit bonus qu'on avait. Y'a pas de cochon? Bah ouais, je vois pas de sanglier. Bah il faudrait ouvrir la porte, là. Ouais, on a pu faire le tour, mais ça ne se mange pas plus que ça. Après, on pourrait se faire avec le bateau, le roi sanglier, peut-être. Oui. Tu veux qu'on essaye la tour qui brille? Bon, je sais. Il a l'air d'avoir comme 3 serrures dessus. Ouais, je suis pas très optimiste. J'ai pas de mana. Ah, j'ai pas de mana.
n'y a même pas d'entrée. Pas le moindre trou de souris. Le roi pirate avait pourtant l'air sûr que l'étoile polaire était là. Ça sent l'air en ça. Il faut que je trouve une entrée avant que le boss me zigouille. Le grand cric me croque. Tu as entendu ce qu'ont dit les balébrosses? Le trésor de l'étoile polaire est peut-être ici. La grosse étoile qui brille sur le dessus, ça, c'est un indice, non? Je pense que c'est un indice, ouais. Le trésor de l'étoile polaire dans les ruines des quêteurs. Ça se tient. Mais il y a 3 serrures sur cette porte. Tu crois qu'il faut 3 clés? Tonnerre, on est bon pour explorer d'autres ruines des quêteurs comme celle-ci. Ouais, maintenant ça affiche une autre direction. Il y a un gros coffre là-bas. Il y a un ouin, un chien. C'est un chien. Un chien ça? C'est pas un chat. Hey, on est des pirates! Alors, à boule ton trésor! Ouf, ayez pitié, je ne suis qu'un modeste petit postier. Mon travail, c'est de lever et de livrer le courrier. Tu parles d'une déveine. Le code des pirates numéro 6 interdit de s'en prendre au petit postier. Bon, voici ce qu'on va faire. Vu que j'ai besoin d'un coup de pote et que vous êtes pirates, c'est le trésor qui vous intéresse. Ça vous dirait de m'aider à lever le courrier et à le distribuer? Tu veux qu'on travaille? Qu'on travaille pour toi? Oula! Merde! T'as resté appuyé sur le bouton? Bah, je pensais pas, non? Bon, de toute façon, il faut qu'on livre la lettre. Il n'y a pas trop de miracles. Il y a un petit coffre là qui a pas besoin de lettres. Ah ah. Il y a des pioux. Ouf, moins 40 enfoiré. C'est un petit peu vénère quand même. Alors c'est où Port Chavanne? Port Chavanne, c'est sur la carte. Port Chavanne, c'est avec Mama Milka. C'est on là. On a son truc à ramener là. Oui. On a la lettre à faire en plus, donc autant y aller. Oui. Ah oui, on est de l'autre côté. Ok, je vois. On peut prendre le bateau. Vas-y, pilote. Il y a un truc qui brille là-dessus aussi. Ouais, mais il y a les balébrosses. Ouais, c'est ce que je vois. Oh, il y a un petit coffre, il y a un petit coffre. Waouh. Ah, il y a les mines. Mais c'est qu'est-ce qui te fait mal comme ça? Et là, il y a des feuilles aussi. Quelqu'un qui a perdu son livre. La grotte de Ronron. Alors Chocho, je t'explique, il y a des mines. Non mais je voulais passer par l'autre côté, on peut pas passer par l'autre côté. Je sais pas, moi il y a des pièges, je suis des pièces. Hein. Oui. Oh, mais Chocho, elle est nulle à ce jeu. Qu'est-ce que je vois dans le fond? Qu'est-ce que c'est que ces trucs qui bougent? Voilà, on pouvait pas passer par l'autre côté. Ah, des mines qui bougent. Chouchou. Ah bah oui, voilà, chouchou. Mais chouchou. Tu fais gaffe, je te ressuscite, faut que tu te barres dès que t'as plus de vie. Alors, on peut passer par là, il y a un coffre au fond. J'y vais si tu veux.
niveau 9. Waouh. Est-ce que ça me l'a déséquipé? Attends. Ah non, du coup, c'est un autre. C'est la chemise de pirate, ok. Tu veux changer ton équipement? Bah, je vais regarder, du coup. Moi, j'ai... Ouais, j'ai un truc level 2, c'est tout nul. J'ai 10% de vitesse d'attaque. Ouais, mais la vitesse d'attaque... Contre un peu de PV. C'est bon. Ils font des pièges avec des gros machins. J'ai peur. Je suis pas un chat très courageux. Mais s'il y a un coffre. Parfait. Dash, tu peux sprinter, ouais, avec quoi? Mais pas dasher. Ah oui, avec espace, okay. Donjon terminé. Ah. Ça veut dire qu'on a eu tous les trésors. Ouais, mais il y a encore des trucs là. Oh, croix de ronron, livre 1. Un livre étrange débordant d'énergie romantique. Les chroniques du ronron. Tu parles un nom ringard. C'est sûrement un rat qui l'a écrit. Je me demande s'il y a un endroit où on pourrait rapporter ce livre. Peut-être une île quelque part. Mmh. Donjon de terminé. Il est trop fort. Ah, et du coup les petites feuilles elles ont disparu. Ah. Ah oui, il change de couleur quand on le tape. Ah, il y a les gros pioux, je suis pas sûr qu'on... Ah, on peut pas ouvrir quand on est en combat. Okay. Ah oui, je fais 9 avec ma... Ah, j'ai pas de... Mais lance ton sort. Ah, j'ai plus de vie. C'est vrai qu'il y avait pas de combat dans le donjon. Hein. Bon. Le conseiller tente. J'avais presque plus de vie, donc on peut essayer, hein. J'avoue que j'ai un petit peu de mal des fois à savoir qui est qui. Pareil. Aïe aïe aïe, bah on peut l'amener les chroniques ronron, du coup il y a un cœur là. Oui. Je pense que ce sera plus dans nos cordes. Comme je regrette, ma bien-aimée Ramina, nous étions faits l'un pour l'autre. Ça va, Mouchaillon ? Oui, d'où sortez-vous tous les deux ? On a vu ce château à l'horizon. Ah, pitié, sauvez-moi de cette malédiction. Je suis piégé ici. Tout ce que je veux, c'est revoir ma douce Ramina. Te sauver, mais t'es déjà mort.
On ne dit pas de mal des morts ici. Aidez-moi, je vous en conjure, et mon trésor est vôtre. Vous voyez les piédestraux là-bas? Quelqu'un m'a pillé mes livres. Une seconde, je vois que vous avez trouvé mes livres. Aidez-moi à réécrire mon histoire avec Ramina pour lever la malédiction de cet homme. Tenez, ça pourra peut-être vous aider. Oh, une patte de soin. Oula. Oh. Par une belle journée, une magnifique chatte entre dans la taverne et s'assied à table face à Grobis. On continue à boire ou on s'approche d'elle? On continue à boire. Continue à boire, t'es du genre romantique toi. Bah ouais. Il commence à remarquer quelques pirates louches qui s'approchent. Observer de loin ou essayer de l'avertir? Ah bah quand même, on va peut-être essayer de l'avertir. Essayer de l'avertir. Grobis s'est à peine levé qu'un pirate agrippe la belle par le col. Tous les yeux sont tournés vers eux. On évalue la situation ou on intervient? Je sais pas. Hé, hey, lâche-la! Hé, hey, lâche-la! Regardez les gars, Ramina s'est fait un nouveau petit ami rongeur. Un des pirates se moque de Grobis. Ramina, pas intimidé pour un coup, en profite pour frapper le pirate. Je vous protège, mademoiselle la chatte, ou c'est ça, courez, ça vaut mieux. C'est ça, courez, ça vaut mieux. Je vais la protéger? Je sais pas, ça fait bizarre. Je vous protège, mademoiselle la chatte. Bah oui. Bon bah, courez, ça vaut mieux. Ouh, toi campagnol, je vais te faire ta fête. Les pirates dégainent. Ramina lance un regard menaçant à Grobis. Si tu ne comptes pas m'aider, va-t'en. Bon, on dégaine. On dégaine. C'est une histoire d'amour quand même. Ok, on a affronté les pirates pour l'aider. Les pirates s'enfuient en laissant Ramina impressionné par le courage de Grobis. Tu te débrouilles bien pour ta taille. Merci, mais j'aurais pu me débrouiller seul. Alors, est-ce qu'on la complimente ou est-ce qu'on lui dit qu'elle avait besoin d'aide? Elle est sensationnelle! Ramina sourit et propose à Grobis de lui offrir un verre en dédommagement. Tous deux passent la soirée à parler et à boire. À chaque gorgée, leurs cœurs s'entremêlent. Deux âmes sœurs se sont reconnues. Oh. Bien joué! Oh ouais, on a droit à un chapeau! Inflige des dégâts aux ennemis proches en se soignant. Ah bah, c'est bon. Alors du coup, on a débloqué un nouveau sort aussi. C'était un sort, le truc... Oui, c'est dans magie. Magie. F. Voilà, comme ça je pourrais me soigner. 40% magie, 20% magie, ça veut dire quoi ça? Ça me rend 20% de vie, 20% de ma magie, un truc du genre? Je sais pas. J'imagine 59. Ah oui, oui sans doute. Oh coup, je peux prendre ça. Là je me reconnaîtrai comme ça au moins. Tout mimi. T'as le même chapeau que Grobis. Persévérez, il n'en reste plus que deux à trouver. Mais avant de continuer, vous allez devoir chercher le deuxième livre. C'est ça en fait, les feuilles par terre, ça veut dire. Là où on avait vu des feuilles par terre tout à l'heure, c'est qu'il devait y avoir un autre livre. Oui. Du tout, c'était par contre. Moi non plus, mais de toute façon, on va au chaton, alors... On va au... C'est pas le château Roncon, c'est... Truc de chapatte, là. Ouais. Chavanne. Et y'a un mec qui danse dans des étoiles. Ouais, bizarre. Mais eux. On a
dropper un circuit électrique. Brille, brille, petite étoile de mer! Dans la nuit, tu te dévoiles, tout là-haut, firmament. Oula. What the fuck? Ah, Dracosan, te revoilà, hein, ça faisait un bout de temps. Tu as l'air surpris, c'est moi, ton ancien maître. Ouais, je sais plus s'il était dans le 1 ou dans le 2. Et le quêteur. Ah, pardonne-moi, parfois je m'embrouille dans toutes ces lignes temporelles. Mais dis-moi, t'as déjà entendu parler des guerres du dragon? L'espèce humaine, mon espèce, était au bord de l'extinction. Et ma création, mon Dracosan, elle nous a tous sauvés. Et qui avons-nous gagné? La prison. Ici. Oui, ici, dans la dimension zéro. Une prison. Où échouent tous les prétendus criminels. Mais c'est aussi le sacrifice de notre Dracosan qui nous a libérés. Fort bien. En créant le premier artefact par la même occasion. Les artefacts. Il nous en faudra trois. Et c'est pourquoi nous sommes là, ici et maintenant. Dans cette dimension coincée entre le temps et l'espace. Ouvre l'étoile polaire de grâce. Nous permettre de survivre à une nouvelle guerre. Ah ouais. Pas mal. Ça fait un peu flipper, mais c'est pas mal. Eh oh! Tu m'écoutes? Tu fais quoi, là, le regard dans le vide? Il faut qu'on se secoue! L'étoile polaire va pas nous attendre éternellement! Et salut Zikino, bienvenue sur le live! Eh bien écoute, ça maillot bien! Aïe! Waouh! Ça se détend sur l'électricité, là! Et du coup, on a gagné un deuxième point de mana, c'est trop cool! On peut lancer deux sorts! Ouais, je peux me soigner en faisant des dégâts. Il y a un truc là. Ouais, mais j'ai pas encore trouvé ça, ce que c'est. Il doit y avoir un pareil, une quête, un machin. Bon, bah, on continue vers Port Chalan. Oui. C'est pas bête. Ah oui, on peut booster le bateau, quoi. Monsieur Étoile Bleue ? Oui, c'est moi. Vous avez du courrier pour moi ? Parfait. Je ne reviens pas. Elle dit qu'elle m'aime aussi. Monsieur Étoile Bleue a des étoiles dans les yeux. S'il vous plaît, si jamais vous passez par les îles Ronron, vous pourriez livrer cette lettre pour moi. Lettre pour mademoiselle... Non, madame Étoile Rose. Encore une étoile de mer? Mais vous êtes combien au juste? Oui, je ne vous oublie pas. Voilà un petit quelque chose pour votre peine. Le signe en jaune et Chobiti en rose. Non, c'est l'inverse. C'est moi qui suis en rose et c'est Chobiti qui est le personnage principal en jaune. Quoi? C'était pas évident que Chocho n'était pas en rose. Moi, j'ai le rose parce que ça me permet de me soigner et c'est moi qui tank. Allez, on va voir Mama Milcha. On a trouvé son pichet de lait. Est-ce que c'est mon pichet de lait? Alors ça, j'ai perdu il y a des années. On se calme, on se calme. Oh, il y a des petits bugs sur le... Ah non, c'est moi. Ah, je suis désolé. C'est quand je pose ma manette pour boire, ça appuie sur mon bouton espace. Magnifique. Bon, bah c'était pas un bug, excuse-moi. J'avais pas vu.
C'était pas évident. Chobiti faisait les voix du perso qui avait l'air rose. Bah en fait, non, c'est pas les persos parlent pas, c'est la petite, le petit fantôme qui est entre nous deux qui parle. Le capitaine chapeauté. Mais là, elle fait plus les voix, ça pourquoi? Parce que j'étais en train de boire. On a même eu droit à un indice pour nous guider sur place. Je sens comme un truc bizarre, et rien à voir avec le lait. Ah, ça c'est moi. Ouh, un bouclier, j'aime. Annule les dégâts à chaque blocage réussi. Alors, ok, mais comment on bloque? Merci encore de m'avoir rapporté mon pichet de lait. Je peux vous demander un autre service? Je voudrais que vous terrassiez, Chatulu. Chatulu? Ce monstre m'a tout pris. Et comme pour le détourner, il est temps de mettre fin à son existence. Mais ce que tu nous demandes, c'est impenchable! Sûrement. Mais un quêteur a peut-être une chance. Je ne t'avais encore jamais rien demandé. Fais-le pour moi. Je vais chercher mes pièces maintenant. Vous trouverez Chatulu au nord-est. Nord-est, oui, des îles du couchant. Rendez-moi ce dernier service. Si vous empêchez. Si vous empêchez de mettre cap à l'ouest, évitez les îles du crépuscule, d'accord? Les gorées locaux ne sont pas tendres avec les étrangers. J'ai aussi entendu dire que le pirate avait barricadé toute l'île. Je dois cacher quelque chose d'important, non? Alors là, il y a des... Ah oui, il y a des primes. Ah, c'est ça la prime dont tu disais. Oui. Oh, c'est ta vie de recherche, là-bas. C'est pour le roi sanglier, avec une prime de 3000 pièces d'or sur sa tête. La dernière fois qu'on l'aurait aperçu, c'est à l'est de Port Chavan. Bon, il est à peine de notre niveau, donc j'imagine que les autres c'est mort. Ah, il y en a pas qu'un, hein. Mais du coup, 3000 pièces, qu'est-ce qu'on fait avec l'or? Parce que bon, c'est pas tout ça d'avoir de l'or, on en a plein. On peut acheter des améliorations à Michou. Ah, cool. On va chez Michou. Allons chez Michou. Trésor 0 sur 1. Ah, je l'avais pas vu. Bienvenue à la forge Michou. Vous venez améliorer votre équipement. Il est où le trésor? Il est où le trésor? Ah, alors, toi tu peux augmenter tes munitions de 1. C'est pas mal. Allez, vendu. C'est parti pour Chocho. Ma thune! Et moi, je peux augmenter les PV du chapeau. Level 10 et level 10. Ici, toi, t'avais un truc un peu pourri, je crois. Hein. Oui. On pouvait améliorer peut-être celui qui augmentait ta vitesse d'attaque, là. Le machin qui fait juste pour se sentir vraiment pirate, bon... Ouais, c'est pas ouf, hein. Il faudrait qu'on le monte jusqu'au level 10 par exemple. 3000 balles, ça va. Un sanglier. Au niveau corps à corps. Alors, il y avait ce truc là. Annule les dégâts à chaque blocage réussi. Mais comment on bloque? Je sais pas, faudra qu'on regarde. Attends, on va aller voir, non. Peut-être dans les options. Raccourci, interagir, sort, rouler, changer d'arme. Est-ce que c'est avec ce truc là? C'est la défense. Bah, non, c'est de la défense, ouais. Comment on bloque? Peut-être qu'avec le. En l'utilisant lui, on bloque peut-être? Je vais essayer. De toute façon, il fait deux fois plus de dégâts donc. On se trouve un petit combat puis on essaye. Oui. Je tente, ça tombe bien. Alors comment ça se fait?
Ah, ok. Quand j'attaque, en fait, il se met en mode bouclier. Ok. Faut trouver des ennemis. Bon, je pense qu'en gros, ouais, il faut juste que... C'est juste que j'attaque, il pose son bouclier et ça bloque, quoi. Ah, parfait, c'est pas mal, ça. C'est excellent pour moi. Je me suis bourré de touche. En plus, ça fait vachement plus de dégâts. Et si je le monte level 10, ça coûte combien? 2500. 28 de dégâts. Alors, on commence à causer, là. Il faudrait qu'on augmente ta mia outrailleuse. Allez, on claque la thune. Ouais. La thune! Ouais, mais maintenant, on peut peut-être aller se faire le cochon, là. Oui. Mais il est où, son trésor? Ah, bah, j'imagine qu'il doit y avoir une quête. Et attends, on va chez la miaou chienne aussi. La miaou chienne. On peut peut-être améliorer nos sorts. Ça compte pas de l'or, ça? Non, c'est pas de l'or. Ah oui, la magicienne. Oui, faire pipi est la marque suprême de domination. Très bien. Ah, vous êtes revenus! Vu que vous êtes mes clients numéro 1, voici un petit quelque chose de ma part. Fichtre alors! Merci! Ils vont les redépenser ici de toute façon. Maligne! Tout à fait faux. Alors du coup, ah oui, ta foudre elle est niveau 1. Oui, mais tu vois, ça coûte 150 pour l'améliorer. On n'a même pas 300. Ouais, mais on peut augmenter un peu les dégâts quand même. Tu préfères augmenter laquelle? Je préfère la foudre. La foudre. Allez, on peut l'améliorer d'un niveau. Ouais, ok. Parfait. Ouais, on a plus de thunes du coup. Ouais, je peux même augmenter le truc qui soigne, mais c'est pas mal, le truc qui soigne, il est efficace quand même. Écoute, on est qu'à 5 près, on va bien trouver 5 quelque part. Ça se trouve dans les donjons, plutôt. Et là, ça brille ici. Si vous cherchez le trésor de l'étoile polaire... Je pense qu'il serait juste dessus les stellaires. Oui, ok, bon, c'est que ça à nous dire. C'est pas très intéressant. Et là, si tu balances de la foudre là-dessus, ça fait quelque chose? Non, ça fait rien, ça fait rien. Alors, je pensais pas te tirer sur le pauvre péon qui a rien demandé. Oui, mais il cible automatiquement. Bon, bah, on n'est pas prêt de trouver la clé de l'infini avec tout ça. Mais on a dit qu'on se faisait le cochon. Oui. Allez, go! Allons lui montrer notre nouvel équipement. Haha! Assieds-toi, chouchou! Allez, un petit peu de soin. Ma vie. Ouh, bien joué. Puceur roi cochon. Boulet pneumatique.
appuyer sur RB pour tirer une salve de boulet magmatique sur les ennemis. Ah, c'est un truc de bateau, du coup. Ouais, on va pouvoir le mettre dans notre bateau. Pouvoir tirer des boulets magmatiques avec notre bateau. Bon, il reste la petite saloperie, là. C'est assez particulier à utiliser, le bouclier, mais ça marche bien. Hé, hey, attends, on améliore notre bateau. Notre bateau. Et est-ce que je peux en prendre un aussi, du coup, moi? Mais... Et du coup, c'est ouvert ici, ce qui nous avance vachement. Ah, vous dites que vous cherchez le trésor d'étoiles polaires. Je pense que c'est un mythe, mais il y a des ruines des quêteurs plus loin sur cette route. Vous y trouverez peut-être quelque chose. C'est tout. C'est nul. Ça fait quoi déjà quand je bloque? Annule les dégâts. Ah oui, ok, oui, moi je bloque quoi. Y'a rien, y'a des feuilles là. Des feuilles. Y'a une pièce. Merci. Ah, y'a un piège aussi, on doit pouvoir poissonifier le poisson. Vas-y, empêche-toi de partir. Guide-le à l'intérieur. Ah non, t'es parti où? T'es pas fait pour la pêche, hein. La pêche? C'est quoi la pêche? On a attrapé le poisson-chat rocher! Son extérieur impénétrable ne laisse aucun doute, c'est l'une des quatre panthères des mers. Oh! Y'a un bout de papier là aussi! Je dois faire mieux, sinon papa risque d'être déçu. Un poisson à la fois. Le papa, ce serait pas le vieux grincheux? Des chances. Beau travail, mouchaillon! On en a attrapé un autre! On continue de chercher les autres panthères des mers, d'accord? Il cherche. Ouais. Des pièces, des pages, du papier! Du papier! Alors. Il est où le piège? De l'eau. Je suis pas les pièces. Il y a le livre là-bas, ouais, on peut les pièces. Ouais, un chemin alternatif. Un cache-œil. Ah, c'est peut-être bien pour toi ça. Tu veux le mettre? Enfin, regardez. Alors, le cache-œil. Ah, au lieu d'augmenter ta munition, ça te augmente ta vitesse de rechargement. Bon, par contre, il faudra qu'on le monte de niveau, mais... Ah, c'est pas mal, je trouve. On peut rien faire avec les objets qui nous servent pas? Non. Ok. Ah mais oui, on avait amélioré le truc de roublard, mais tu l'as pas équipé. Ah oui. I am un peu idiote. Et du coup, attends, allez. Moi j'avais quoi, moi? J'ai la chasse de pirate, ok. Est-ce qu'on peut pas faire mieux? Non, pour le moment, non. Bon, bah, faudra qu'on me trouve un truc mieux à l'occasion. Et là, il y a une petite truc qui brille, là. Ah, c'est la lettre. Il y a la lettre et il y a le poisson. C'est compliqué, là. Le machin, il danse.
livre 2. Les chroniques du Ronron. Encore. On devrait rapporter ça au château Ronron. Il y a un gros coffre. Oh. Oh. Ça augmente la mitrailleuse. Je vais me soigner tant qu'à faire. Youhou. C'est marrant, il y a un autre chemin par là. Bah non, c'est là où on est parti, Mitou. C'est là, ah, c'est oui. Là qu'on a fait le chemin, Choubiti. C'est trop compliqué. La mitrailleuse, exactement, Zikino. Bah toutes les, tous les trucs ont des noms comme ça, hein. Si tu regardes... J'ai le chapeau de Groby, chapeau de Torchère, homme de chevalier... Le sabre de bouchanier... Et la miaou-trailleuse, la charquebuse et le pistolet. Bon, maintenant qu'on est super fort, qu'est-ce qu'on fait? Tu crois qu'on est assez fort pour les messieurs qui sont là? Essayez. Reste pas immobile, chocho. Pas aller dans l'eau là, ils sont relous. Ouais. Hé, recharge-toi. Je m'occupe du petit en bas là. Ah, t'es ressorti de l'eau. Viens manger ta pâtée. Mais comment t'as fait pour mourir? Il y avait pas d'ennemis. Et je voulais aller me soigner. Et je suis tombé sur la mine. Tu voulais chercher le loot et t'es tombé sur la mine, c'est ça que tu dis? Oui. Bah, du coup, tu m'as soigné. J'ai plus besoin de me soigner. Et ouais, le pistolet Zikino, t'as vu, hein. Il est classe. Repère des pirates de glace. Je crois qu'on est arrivé au repère des pirates de glace. Des mages qui ont la réputation d'avoir de la glace à la place du cœur. La bonne nouvelle, c'est que la magie du feu est notre allié, pas vrai, Mouchaillon? Et forcément, c'est l'autre qu'on a amélioré. Ah. Ah, ça me permet pas de parer les sorts. Oui, bah Coco, tu me permets, je tue le monsieur et après on en repart. Hein. Bouge, chacho. Des petites daubes. Toujours fermé. Il voulait pas bouger. Merci. Ce truc est mort, c'est pas lui. C'est bon. J'arrive, j'arrive. Oh, le bruit pour te ressusciter, la souris par contre. Oh. Ah bah c'est pas mal ça. Bon, ça va me faire perdre plein de vie quand j'équipe ça.
perd 100 PV. Oh, c'est acceptable. Pour avoir un bonus de défense, en plus, c'est le bon truc dans le coin. Comment ça? Y'a rien d'autre? On tente de nous arnaquer. Bah, lance une boule de... Non, ok, balance pas de boule de feu. Ah, tu voulais que... Je sais pas, y'a certainement un truc à faire. Ah, une autre échelle. T'avais pas vu? Non. Ah oui, il y a un match de... Il se protège derrière les petites cochonneries. Ah, qu'est-ce que c'est long à recharger. Ah ah. Oh! 2 sur 5! On a un truc là, on peut avancer. Oh! Ouf! Chapeau de mage de glace, dégâts de glace. Bon, ça c'est pas très intéressant. 50 trucs pour améliorer les sorts. Hein. T'as fait plaise. Ah ah, on est bien petit. Quartier du capitaine. Ah. Bah, ce sont les maudits pirates de feu, quel marophile qui vous a envoyé, pas vrai? Non. Hein? Quand il fait trop froid, il y a toujours moyen de se couvrir, mais quand il fait trop chaud, rien à faire. Ah. C'est clairement vous qu'ils ont envoyé pour régler leur compte. Leur est venu d'accepter l'implacable vérité. Le froid, c'est mieux que le chaud. Mais en hauteur, je peux pas le... Ah, tu veux qu'on se soigne, c'est ça? On va se soigner, c'est pas grave. Vas-y, j'encaisse, j'encaisse. Mais je peux pas le viser en fait. Oui, je sais, mais c'est pour ça, je te dis. Je l'encaisse. Laisse-moi prendre les sorts dans la tronche. Il y a beaucoup de PV, l'enfoiré. Ah bah c'est un boss, Jean. Un petit peu dans le mal. Merde. J'arrive. Merci. On s'est ressuscité. Couche. Il faut que tu sois un peu plus proche pour ça. Ouais.
Ah, mettre une grosse fessée. Oh. Ah. Si. Pas de me relever maintenant. Allez, redescends, Coco. Oh, putain. Oh. Voilà. Allez, donne-nous plein d'XP qu'on monte de niveau. Gèle pâte. Tire des stalagmites qui gèlent les ennemis. Ça se chamaille entre les pirates de glace et de feu, on dirait. Ça fera plus de trésors pour nous. Ah, ah, quel bel état d'esprit. Ah, du, bon, coup, du coup, on peut arrêter le premier épisode de VODLA si ça te va. Ça me va. Je veux ouvrir en fait, le c'est coffre. Pour ça que j'arrive pas à esquiver, c'est parce qu'avec mon bouclier, quand j'esquive, là, je suis à deux à l'heure, quoi. On n'a pas trouvé tous les trucs, y'en a un là. Oh. Allez, ciao ciao la VOD, on se retrouve très vite pour la suite. Bye bye.